Ok, ok, les amis, allez, let's go, c'est parti, on va tester un nouveau craft. Donc on met le coffre juste au centre comme ceci, on va mettre l'or sur les côtés et le diamant comme ceci, et boum. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Oh mon dieu! Oh le temple de fou que c'est! Ça, c'est Minecraft les amis, et aujourd'hui les temples sont custom, ça va être juste incroyable, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous rappelle l'objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été, donc ça veut dire début juin. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est très important pour moi, et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et allez, c'est parti les amis, aujourd'hui j'ai installé un mode qui permet de custom les temples, donc je sais pas du tout quel temple il parle. Est-ce que c'est le temple du désert, est-ce que c'est le temple de la jungle, je ne sais pas, aucune idée, on verra ça ensemble. On va juste prendre du bois là en premier lieu parce que le temple, eh ben, on peut le customiser avec un coffre au centre, vous allez voir c'est des crafts qu'il faut faire. Donc on va prendre du bois et c'est le seul arbre qu'il y a autour de moi, enfin si, il y en a d'autres mais dans le marais c'est juste ultra chiant, donc je récupère ce qu'il y a juste ici. Ensuite, tout bonnement, pour faire le premier temple, les amis, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est comme temple exactement. C'est un tout nouveau mode qui vient de sortir, j'ai hâte vraiment de tester. Le premier temple, c'est avec de la terre, donc on va prendre de la terre. Écoutez les amis, on va faire une table de craft et on va tester tout ça. Alors, la première chose à faire, bien évidemment, c'est un coffre, voilà. Et ensuite, on met ça comme ça, on fait ça, et boum, 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 et voilà, boum. Oh, mince. Oh, what? C'est quoi cette dinguerie? Oh mon dieu, c'est incroyable comme temple. Et en plus de ça, on a déjà le truc avec le coffre au centre, je crois, c'est ça? Genre, oh, c'est trop bien. 1, 2, 3, voilà. On va casser celui-là et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Et bah écoutez, voilà, c'est bon. Et bah ok, d'accord. Donc c'est une pyramide, les amis. C'est une pyramide. Et bah écoutez, relou, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur les pyramides qui sont customisables. Bon, après, là, ça change parce que c'est un autre mode et que je pense que c'est pas du tout les mêmes temples. Parce que regardez-moi ça, ce temple étant terre, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, on va remonter à la surface. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. J'ai vraiment hâte. Et ben voilà, regardez-moi ça à quoi il ressemble, le temple de l'extérieur, et de l'intérieur ça doit être aussi que de la terre, c'est juste magnifique, j'adore, franchement je suis sous le charme, c'est juste trop beau comme temple. Et ben écoutez, on va aller en direction du deuxième craft. Pour le deuxième craft, nous avons tout simplement besoin, attendez, je vais vérifier. Et oui, voilà, donc j'ai vérifié, et ben on a besoin de d'or et on a besoin de diamants. Oh, il y a une ruine, il y a un portail de ruine là, on va aller voir ça tout de suite. Ok, qu'est-ce que nous avons dans le coffre? Oh là là, du gold, oh là là, et on a des fireballs, et on a déjà un d'obsidienne. Oh mais c'est un... Oh, il y a un bloc d'or en plus. Oh, allez, 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 juste pour le kiff. Ah ben non, on peut pas le récupérer. Bon bah, heureusement qu'il y avait des gold dans le coffre, ça c'est vraiment juste trop cool. Et bah écoutez les amis, il reste plus qu'à aller chercher du diamant. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on re-récupère du bois, parce qu'on en a plus assez. On fait des items... On va dans des cavernes, on va chercher du diamant. Let's go, c'est parti. En plus de ça, on est en 1.18. Ça va aller super rapidement pour trouver du diamant. Ok, parfait. Donc là, on s'est fait juste une pioche en bois. On va aller récupérer la pierre juste ici. On va se faire des outils en pierre. Ça sera beaucoup mieux que juste du bois et de gâcher du bois pour rien. Parce qu'on en a besoin pour faire des coffres, nous, hein. En tout cas les amis, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que je vais créer un temple, s'il vous plaît, notez-le dans les commentaires. Donc normalement, je ne sais pas combien il y a de temples, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et ben, je veux avoir 6 notes dans les commentaires pour chacun, pour savoir laquelle est la meilleure. Voilà, vous mettez une note, ou sinon un seul commentaire avec réuni toutes les notes. Voilà, donc pour la première, le temple en terre, et ben dites-moi exactement quelle note vous auriez mis sur ce temple. Ok, parfait, donc là on est revenu au niveau de la table de craft. Et bah écoutez, on va prendre, on va faire une pioche, on va faire bien évidemment une hache, on va faire une épée si on a des mobs bien évidemment. Et puis bah je pense qu'on a fait le tour les amis, là on est pas mal. Et bah écoutez, on va s'armer, voilà, tout à fait comme ceci. Et puis bah écoutez, avant d'y aller, regardez moi ça, ma vie elle est catastrophique. Et bah écoutez, on va essayer d'aller chercher un village pour avoir du pain, voilà. Et ensuite on ira dans les grottes, dans les cavernes pour aller chercher du diamant. Et bah voilà, c'est bon. Alors là déjà c'est l'apocalypse, déjà regardez-moi ça, parce qu'il y a un lac de lave juste à côté qui est en train de tout enflammer. J'ai parcouru toute la map entière pour trouver un village quoi, voilà, un satané village. Et voilà, c'est bon, on l'a trouvé, on va avoir du blé, donc ça c'est vraiment super cool. On va essayer de regarder aussi si on peut pas avoir certains minerais. Là déjà le golem, on va se le faire. Ok, là c'est critique, regardez-moi ça, ma nourriture, c'est ouf.
Et voilà, c'est parfait. Donc là, on est en train de changer le blé en pain. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Alors, le deuxième temple, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut du diamant. Donc, c'est tout à fait normal que je prenne mon temps. Parce que clairement, là, on n'a pas encore de diamant ni rien. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on a trouvé le village au bon moment parce que tout simplement, il fait nuit. Donc, on va pouvoir dormir et on va en profiter pour dormir. Ok, on va récupérer le lit au passage, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre, il y a que de la merde. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Eh ben, je vous propose quelque chose, on va aller tuer le golem, voilà. Petit. Ah oh, mince, je me suis gouré. Viens, reviens, je t'ai dit. Ah, au secours. Au secours, je me suis fail. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui m'a suggéré dans l'eau. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ah, bah non, voilà, je le sentais pas. Eh ben génial. Alors comment vous dire que c'était une idée pourrie, celle-ci. Clairement, là, hop là, voilà, on va faire à l'ancienne, parce que moi je préfère à l'ancienne, voilà, comme ceci, au moins c'est parfait. Bon, on est déjà mort une fois, merci l'abonné qui m'a suggéré d'aller dans l'eau. Alors je sais pas comment tu voulais que j'aille dans l'eau, mais là c'était un peu compliqué, vu que, ouais, j'aurais pu aller dans la river, mais prend trop de temps quoi. Allez, ah c'est bon, il est mort, ok, donc là on a récupéré du fer, et bah les amis, on va poser la table de craft, on va faire une pioche en fer, et cette pioche, on va la garder bien évidemment pour récupérer du diamant. Et bah écoutez, let's go, on va aller chercher tout simplement une grotte, c'est parti pour aller chercher du diamant. Et bah ça y est, c'est bon, on est dans les grottes, j'ai trouvé une belle petite grotte, regarde-moi ça, en plus de ça, on a de la sheep slate. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle ce matériau, je m'en rappelle même plus, oh là là, horrible. Et bah ça y est les amis, regardez-moi ça, on vient de trouver notre premier diamant, voilà, en se baladant dans la caverne, là, juste ici. Et bah c'est magnifique, en plus de ça, on en a deux, et bah c'est encore plus magnifique. Regardez-moi ça, je vous avais dit que ça allait aller super vite, parce que dans l'1.18 maintenant, c'est assez simple de trouver du diamant. Ok, nous avons un spawner, ah, au secours, lâche-moi. Ok, j'ai détruit le mob spawner, on a de l'or encore une fois, ça c'est trop cool. On a un seau, on a du fer, ça c'est ultra cool pour moi aussi. Et bah écoutez, on va continuer notre recherche de diamants. Et bah voilà, ça y est, on a trouvé une nouvelle grotte les amis, j'espère que ici il y aura du diamant. Voilà, on va tuer les différents mobs qu'il y a, parce que là ils vont... Ah, ils vont nous emmerder, voilà, c'est ce que je disais, ils nous ont bien emmerdés là, on a bien explosé comme il fallait. Et là j'ai un squelette qui vient, c'est génial, c'est la fête. Voilà, il va me shot bien évidemment, il y a son pote qui va arriver aussi pour me détruire, pour me démolir la figure. Ok, c'est bon, 1, c'est déjà beaucoup, 2, ça va pas le faire. Ok, c'est bon, on va aller voir son pote. Ok, il y a un creeper. Ah, non, faut pas que je meure. Oh non. Ça pue la merde. Ah, c'est bon. Wouh. Oh, il y a du diamant en plus, les amis. Oh, c'est incroyable. Alors, je vais pas me tromper. Je vais prendre ma pioche en fer. Oh là 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 là, magnifique. Il y en a deux. Oh, il y en a même trois. Oh, c'est magnifique tout ça. Eh ben, écoutez, les amis, on peut faire le prochain temple. C'est juste incroyable. Eh ben, écoutez, les amis, je pense qu'on ne va pas s'attarder dans les cavernes. Ah, si. Le troisième temple, c'est avec du lapis lazulis. Vu qu'on est dans les grottes, on va en profiter pour aller chercher du lapis lazulis aussi. Et après, on fera les deux temples en même temps. Eh ben regardez-moi ça, en parlant du loup, voilà c'est parfait, du lapis lazulis, on en a combien? On en a 13, c'est amplement suffisant, regardez-moi ça, oh là là, il y en a de partout. Eh ben écoutez, là nous sommes parés, on va remonter à la surface les amis, et on va faire les deux temples. Ok c'est bon, nous sommes de retour à la surface, je me fais pourchasser par une araignée bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. On retourne au village les amis, on va crafter tout ça, et je pense qu'on va les faire sur un terrain plein, plat. Oh plein, plat, c'est bon, c'est la même chose. Je me suis gouré, c'est pas grave. Alors bah écoutez, on va peut-être faire le premier temple juste ici. Et bah écoutez, je vais poser la table de craft les amis, voilà, comme ceci. Et puis allez, let's go, c'est parti, que la magie opère. Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ceci. Et bien évidemment, j'ai pas fait le coffre, ça serait peut-être bien de faire le coffre en premier, hein. Voilà, parfait, et là, normalement, eh bah non, c'était le sens inverse. Et merde. Et bah voilà, c'est bon, regardez-moi ça, là ça marche les amis. Et bah boum, on va faire apparaître ça. Et ça me l'a fait apparaître où? Oh, oh, what? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi? Oh, what? J'ai rien compris, ça a découpé le village en deux. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Et là, nous sommes servis, les amis. Regarde-moi ça, c'est le temple numéro 2 custom. Regarde-moi ça, la tête qu'il a. Oh là là, il est magnifique. Il y a de la netherite, il y a du diamant, il y a tout ce que l'on veut, les amis. C'est incroyable. Et bah écoutez, Géronimo, on saute et on va récupérer tout ça. J'espère que les coffres, on va se régaler avec. Ce serait juste incroyable. On n'a pas pris la table de craft, bien évidemment, je crois. Ouais, c'est ça, on l'a pas prise. Et bah écoutez,
Nice! Ok, on va quand même en profiter pour récupérer la table de craft. Eh, franchement, je suis sous le choc du temple. Il est juste magnifique, les amis. Eh bien, écoutez, vu qu'on avait oublié la table de craft, on va en profiter pour faire une armure. Voilà, on va faire ça. C'est tout beau, tout joli. Et voilà, des bottes aussi. On va faire aussi des outils, ça serait pas mal. On va se mettre ça en attendant d'avoir tout simplement la netherite. On va se faire une belle petite pioche, bien évidemment. On va se faire une belle petite hache. On va se faire une belle petite épée. Voilà. Et le restant aux oubliettes. Allez, ciao, bye bye, vous m'avez bien servi, mais là, c'est ciao. Et ben voilà, c'est parfait, il fait nuit, hop là, on va dormir. Et puis let's go, c'est parti, on va réexplorer ce temple, parce qu'on n'a pas terminé, j'en ai pas terminé avec vous, monsieur. Donc, je vais prendre de la netherite, déjà de 1. Ok, c'est bon, et maintenant, on va descendre, bien évidemment, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond de ce temple, et qu'est-ce que regorge les coffres. Oh mon dieu! Oh, c'est quoi ça? What the fuck? Mais c'est quoi ces items de malade? Alors là, pour le coup, je n'ai jamais eu un temple comme ça. C'est juste incroyable, les amis. Là aussi, c'est pareil. Oh là là! Oh, sharpness 5! Oh là là! Et on a une pioche. Et bah, allez, let's go, c'est parti. On va échanger tout ça. Là, on doit avoir l'épée. Voilà, parfait. Et on a un protection 4. Et bah, c'est good. On a un deuxième protection 4. Oh là 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 là! Mais on est riche, les amis, là. Oh, on a une hache, bien évidemment. Et nous avons l'outil 3. Oh, l'outil 3. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial pour les mobs. Ça va être juste ultra génial, ça. Oh là 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 là. Mais il y a trop d'items, en fin de compte. Bah, écoutez, on va faire notre petit tri. On va jeter tout ce qui est vraiment inutile. Genre, par exemple, ça. On en a trop de diamants. Oh là là. Et les coffres sont incroyables, les amis. J'ai jamais vu des coffres comme ça. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein, envers nous, là, clairement. Je vous le dis. J'ai jamais eu des coffres comme ça. C'est juste... une merveille, une pure merveille, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Et en plus de ça, ça me donne les items qu'il faut, les enchantes qu'il faut, c'est juste incroyable. Et bah écoutez les amis, on va remonter à la surface avec de la pierre, on va pas gâcher du fer bien évidemment, même si on en a tout autour. Je suis encore choqué les amis de tout simplement, bah les coffres quoi. Oh, incroyable, incroyable. Et en plus de ça, le temple est magnifique je trouve, regarde-moi ça. Il est magnifique. Notez-le sur 10 d'ailleurs, voilà, deuxième temple, notez-le sur 10. Si ça c'est pas de la chance les amis d'avoir des arbres dans le désert, regardez-moi ça juste à côté du village, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, ça va me permettre de faire des coffres. Il nous reste bien évidemment le troisième temple à faire avec le lapis lazulis. Là on va pouvoir le faire parce qu'on a assez de bois, donc ça c'est juste trop cool. Je vais bien évidemment quand même me prémunir, je vais quand même prendre la totalité du bois. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh ben, c'est pas ça qu'on va faire en premier. On va échanger deux petits blocs. Voilà, parfait, comme ceci. On va bien évidemment faire une table de craft comme ceci pour échanger toute mon armure en netherite. Ça dégage, j'en ai pas besoin. Et puis, bah, allez, let's go, hein, c'est parti. Allez, voilà, on échange tout ça. Incroyable. Et ben, voilà, c'est bon, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est bon les amis, regardez-moi ça, je suis full netherite, je suis magnifique comme il faut, regardez-moi ça, avec l'épée bien évidemment. Et puis bah écoutez, on va avant de faire le troisième temple, on va enchanter tout ce qu'on a. Et ça tombe bien pour enchanter parce qu'on a des fioles d'XP, donc là on va se les jeter dessus. Et puis là les amis, que la magie opère, sharpness 5, boum, looting 3, boum, et voilà c'est bon, mon épée est juste full chi. C'est incroyable, j'adore. J'adore ce mode les amis. C'est un mode qui change complètement de tous les autres modes de structure. Franchement, celui-là est juste trop cool, je trouve. Et voilà, regardez-moi ça. On est tout beau, tout joli en netherite. Regardez-moi ça, magnifique avec l'épée. Oh là là, on va pouvoir tuer des Underman ultra facilement parce que bien sûr, le but c'est d'aller tuer l'Under Dragon à la fin. Ça va être juste incroyable, ça va être épique. Vous allez voir. Et puis bah écoutez, il reste plus qu'une seule chose à faire après tout ça, et ben tout simplement de faire le troisième temple. Alors mon très cher, on va quand même s'éloigner, j'aimerais pas que tout fusionne. Ok, là je pense que ça devrait être bon, on est assez loin. Et bah écoutez, c'est parfait, on va mettre le coffre juste au centre et boum. What? What the fuck? Oh il est magnifique, oh il est magnifique. Et je peux déjà deviner qu'est-ce que ça va être comme temple. Ça va être tout simplement un temple avec des bouquins d'enchant. Je le sens, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des bibliothèques juste en face. Regarde-moi ça, il est magnifique. Et je pense que les coffres recèlent plein de pépites. Et bah écoutez, on va aller voir ça ensemble, let's go. Oh déjà, il y a une trappe, ça sent pas bon. J'espère qu'il n'y a pas de TNT au centre. Oh non, oh c'est une table de... Oh, c'est une table d'enchant. Oh, c'est trop bien. Oh là là. Oh là là, oh c'est magnifique, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il y a dans les dispensers? Il y a tout simplement des fioles d'XP, comme ça si on n'en a pas assez, on peut se les tirer dessus. Oh c'est incroyable,
C'est incroyable. Et bah écoutez les amis, j'aurais dû enchanter comme ça. Je savais pas du tout que ça allait être ça. Regarde-moi ça. Hop, incroyable. Incroyable. Bon, ça prend un peu du temps à s'enchanter, hein, parce que bien sûr, c'est pas automatique. Oh là là, incroyable. Là, je peux être level 2000, c'est juste incroyable. Et bah écoutez les amis, on va remonter, parce que je vous avoue, c'est un peu le temple qui pue la merde. Ok, c'est parfait, on est remonté. Et bah les amis, je vous propose quelque chose. On va aller chercher le lac de lave, là qu'il y avait. On va d'ailleurs aller chercher de l'eau quelque part. Il n'y avait pas une source d'eau quelque part par ici? Si, il y a la mer, mais flemme d'y aller quoi. Allez les vaches, vous avez plus le droit à de l'eau. Allez, c'est bon, moi je vous pique. Voilà, l'eau. J'aurais pu prendre l'eau de la fontaine, mais bon, on s'en fout. Et puis bah écoutez, il y avait un lac de lave là par ici, hein. Si je dis pas de bêtises, et bah écoutez, on va prendre de l'obsidiane. On va tout simplement aller dans le Nether, parce que le quatrième temple, c'est avec des Underpearls et des Yodent. Ça va être juste incroyable. Et allez, let's go, c'est parti, on récupère l'obsidiane. Ça va prendre une éternité, c'est pas grave. Pour vous, ça sera 2 secondes, parce que bien sûr, ça va être coupé. Mais pour moi, ça va être une éternité. Voilà, c'est bon, allez. Ah, j'ai le temps de faire ma vie, hein. Ok, parfait, c'est bon, j'en ai récupéré 15, les amis, c'est juste nice. Et bah écoutez, on sans plus tarder, on va créer le portail. Donc 1, 2, 3, voilà. Et 1, 2, 3, voilà, parfait. Et là, c'est nice. Et bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à chercher du flint. Et bah voilà, c'est parfait, il y en a juste ici, on va le piquer. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, on se calme. Oh là, j'ai failli mourir avec du flint. Ok, c'est bon, on a une autre silex. Et bah écoutez, on retourne à côté du portail. On va l'enflammer, on va passer. On va chercher une forteresse, on va chercher des Underman. Let's go, c'est parti, vous connaissez la chanson. Ok, parfait, et bah écoutez, on l'enflamme et on passe le portail. Si ça, c'est pas magnifique quand même de tomber directement dans une forêt bleue. Oh là 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 là, la chance que j'ai. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout est parfait dans cette vidéo. Non mais je vous le dis, hein, juste parfait. À part la seule fois où j'ai écouté un abonné qui me disait va dans l'eau, ça serait peut-être mieux pour tuer le golem. Tu vas voir, c'est plus facile à le tuer. Et bah non, je me suis fait tuer. Ok, on en a récupéré 2, ça c'est cool. Allez, notre deuxième petite victime, viens par ici mon pote. Voilà, parfait. Allez, c'est parti, viens par ici toi aussi. Voilà, parfait. Drop, 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 drop. Parfait, il nous en a drop 15. Il nous en manque encore plus qu'un. Enfin, même un tout petit peu plus, parce que le cinquième temple, il faut aussi une underpearl et un œil d'end. Donc, on va en tuer un petit peu plus. Eh bien, écoutez, je vais remonter. Hein. Géronimo, viens par ici mon pote. Allez, viens. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on va faire de la place. Ok, on en a eu 16, 17, allez, encore un à tuer, je pense, un ou deux, et normalement, ça devrait être bon. Allez, n'aie pas peur de moi, viens par ici. Voilà, drop-moi. Ok, il nous en a drop, donc ça, c'est cool. Et je crois que j'ai vu ton frérito, là, par ici. Tu vas pas me dire que ton frérito, il s'est suicidé, quand même. Il est où, ton frérito? Bon, et bah écoutez, je pense que ça devrait suffire, les amis. Et bah écoutez, maintenant, on va aller à la recherche d'une forteresse. Ouh, j'ai failli tomber dans le vide. Et puis bah écoutez, on va partir dans cette direction, let's go, c'est parti. Et bah voilà, c'est parfait, regarde-moi ça, on vient de trouver une forteresse les amis, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, on va monter. Et voilà, c'est bon, on est à l'intérieur. Et bah écoutez, il reste plus qu'à chercher un mob spawner. Et bah je crois qu'il y en a un par ici, là, pas très loin. Wow, le ghast, wow, 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 le blaze. Calme-toi mon pote. Et voilà, c'est bon, j'ai trouvé le... Wow, le repère de blaze, wow. C'est n'importe quoi. Ok, on en a tué un, deux, trois. Ok, parfait. Non, tu vas détruire les bâtons de Blaze. Dégage. Ok, 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 il faut que je les récupère. Ok, on en a récupéré 5, cool. Et allez, Géronimo, c'est bon, il y en a plein là. Ok, c'est bon, là je vais avoir ce que je dois avoir. Allez, viens. Ok, parfait, c'est bon, là je crois qu'on en a assez. 9, donc ça m'en fait 18. Et il m'en faut... il m'en faut 17, je crois. Bah c'est parfait je pense, et bah allez let's go c'est parti. Voilà parfait, et bah écoutez on va changer tout ça en yeux d'ent. Voilà parfait, on va en profiter pour prendre de la netherrack les amis, parce que on a un temple en netherrack aussi qu'on peut faire. Et puis bah écoutez let's go c'est parti, on rentre au bercail. Ok c'est bon les amis, et bah c'est parfait, on est de retour au bercail. Et bah écoutez on va crafter les derniers temples qui restent. On va tous les craft et ensuite, si on a le temps, on va aller tuer l'Under Dragon avec tout le stuff que l'on a eu dans ses temples. Et bah écoutez, voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc là, on s'est placé un tout petit peu plus loin. Et puis bah écoutez, on va faire ça. On va prendre la Netherrack, bien évidemment. Et on va faire le premier temple. Waouh! Oh, il est incroyable! Il est incroyable! Ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux, les temples! Ils sont juste trop beaux! Et bah écoutez, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Let's go, c'est parti, on va aller voir. Si tu me dis qu'il y a des yeux d'Ent, je pète un câble. Oh non! Oh, regarde-moi ça! Non, j'avais juste à prendre de la Netherrack et d'aller là.
Oh mon dieu, je me suis emmerdé à tout simplement tuer tous les Enderman dans la forêt et tout, d'aller chercher une forteresse. Oh, j'ai perdu mon temps. Eh ben écoutez, c'est parfait. Eh ben voilà, j'ai perdu mon temps. Génial, j'adore ça. Hein. Je kiffe ça de perdre mon temps. Mais écoutez, on va juste récupérer la table de craft. Ah bah on peut pas, elle a disparu bien évidemment, elle s'est cassée. Ok, pour le cinquième ou sixième temple, il faut tout simplement mettre des yeux d'aine tout autour là comme ceci. On va mettre le coffre au centre et puis boum les amis, regardez-moi ça. Oh là 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 là, il est magnifique aussi. Oh là là, regardez-moi ça, il est magnifique. Oh j'adore. Ok, j'ai grave envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les coffres cette fois-ci aussi. Oh c'est un portail. Oh, c'est un portail, les amis, je crois. Oh, oui, 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 oui. C'est le portail, les amis. Oh, c'est génial. Oh, oui, regarde-moi ça. C'est le portail du Stronghold. Oh, bah, génial. On n'a même pas besoin d'aller le chercher. Ça, c'est juste trop cool. Et voilà, regarde-moi ça. Le beau petit portail. Il a été mis à nu. C'est juste magnifique. Et bah, écoutez, on va faire le dernier temple pour savoir un petit peu qu'est-ce qui recèle. Et bah, écoutez, ça va être le dernier. Ah, non, 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 non. On va pas le faire ici. Malheureux, malheureux. Je vais détruire tous les temples qu'il y a juste ici. On va s'éloigner un petit peu. Et on va le faire, je ne sais pas où. Et bah, écoutez, on va le faire juste ici, on va poser la table de craft. Donc, si je ne m'abuse, le craft c'est comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Et voilà, bam. Oh, c'est le temple de l'End. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et bah écoutez, je pense que je vais avoir des élytras, si je dis pas de bêtises. Oh, ça serait incroyable si j'avais des élytras. Oh mon dieu. Ah bah c'est génial tout ça. What? C'est quoi ce stuff? Incroyable, incroyable les amis. Vous avez vu le stuff? J'en reviens pas. Oh, dites-moi qu'il y a toute l'armure. Oh mon dieu, il y a toute l'armure. Oh, c'est incroyable. Il y a tout. Oh là 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 là, l'arc. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est magnifique, les amis, ce qui est en train de se passer. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, mon dieu. Oh, j'ai. Oh, mais c'est Noël avant l'heure, les amis. Oh là 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 là. Oh là là. Et on a aussi déjà la tête de dragon. Mais c'est magnifique. Et bah écoutez, juste pour le kiff, on va aller tuer l'Under Dragon. Déjà, on va se changer, hein, bien sûr. Parce que maintenant, notre armure pue la merde. Voilà. Et regardez-moi ça, comment on est pas beau, les amis. Avec tout simplement du Protection 10 partout. On a du Protection 10 aussi, enfin des effets 10, level 10 partout sur nos items. C'est juste incroyable. Et bah écoutez, les amis, on va aller récupérer des Underpearls. On va récupérer des bâtons de Blaze qu'il y a dans le temple, bien évidemment. Hein, vu que je suis abruti, j'aurais peut-être dû le créer avant d'aller chercher tout ça. Mais vu que je suis tombé dans une forêt, c'était plus fort que moi. Il fallait que je tue des Underman. Et voilà, c'est bon. Nous, on va monter, bien évidemment. On va récupérer tout ça dans le coffre. Alors voilà, il nous en faut, voilà, je pense que là c'est plus que nécessaire. Et ben voilà, c'est parfait, on en a 23. Et ben écoutez, on va aller tuer ce satané Under Dragon. Je pense que ça va aller très vite, hein. Bien évidemment les amis, je ne voulais pas répéter, mais bien sûr, mettez des notes à chaque temple que vous avez vu. Donc le temple ici, le temple juste ici de la piste, le temple du Stronghold, le temple du Nether et le temple de l'End. Non, ça c'était le de l'End, excusez-moi. Et puis bah écoutez, bah Banzai, hein, on y va, let's go, c'est parti. On va aller tuer l'Under Dragon, ça va être juste magique, vous allez voir. Et allez, c'est bon, on est au-dessus, maintenant on est remonté. Et bah écoutez, on va commencer par détruire les End Crystals. Bien évidemment, j'ai foiré mon tir. Voilà, c'est bon. Donc le premier a été détruit, donc ça, très très cool. On va aller détruire les plus faciles en premier, donc celui de là-bas par exemple. Hop là. Voilà, parfait. Alors, celui-là aussi maintenant. Ok, parfait. Celui-là. Oh là là, mais je suis un franc-tireur, les amis. Celui-là aussi. Yes. Celui-là. Ah, pratiquement. Ok, j'arriverai pas à le détruire tout de suite. On va détruire ceux en cage. Ok, parfait. Ensuite, le deuxième. Ok, le deuxième est détruit. On va détruire ceux de là-bas. Alors celui-là, ok, détruit. Il y a celui de là-bas aussi, là. Ok, détruit, celui de là-bas. Eh ben écoutez, il reste plus que celui-là, je crois. Eh ben ça y est, il a été détruit. Eh ben écoutez, on a tout détruit. Eh ben on va shot l'Under Dragon. Oh là 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 là, le Power 10, ça fait du bien. Oh là là, les dégâts que je lui ai mis. Oh, les dégâts que je lui colle à l'Under Dragon, c'est incroyable. Avec juste une seule flèche, regarde-moi ça ce que je lui ai mis. Oh là là, c'est bon. On va en dessous et je pense qu'on va le tuer en deux fois. Allez, c'est parti, bam, 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 bam. Ok, moitié de vie, c'est déjà pas mal. Et bah écoute mon pote, maintenant tu vas goûter de mes flèches Power 10. Oh là là, on va le tuer. On va le tuer comme ça? C'est même pas du jeu? Oh, je lui laisse aucun répit mon pote. Et voilà, shot encore. Ok, il va faire la fameuse technique où il va aller tout droit, bien évidemment. Ok, là, parfait. Je suis invincible mon pote. Bah ça y est, on y est presque les amis. On va le tuer à l'arc. Ok, je pense que là il manque très peu de flèches. On va en tirer une comme ça. Oh là là là, magnifique. Eh bien écoutez, oh, je kifferais qu'il se pose là, comme ça je le tue à l'épée.
Bon non, allez, let's go, c'est parti, on va le finir. Et voilà, c'est bon, on a tué l'Under Dragon avec des temples custom. C'est juste incroyable, les amis, regardez-moi ça, il est en train d'imploser de l'intérieur. Oh là 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 là, avec un Stuff Protection Disc que le temple m'a donné, c'est juste incroyable. Et bah écoutez, on va rester sur cette magnifique image de la destruction de l'Under Dragon. Et bah écoutez, on va repasser le portail. Et bah voilà les amis, donc c'était tout simplement des temples custom. Toi, viens pas me faire chier s'il te plaît. Wow, laisse-moi faire mon outro. Oh, voilà, c'est bon, il est mort. Donc c'était tout simplement des temples custom. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez mis un max de commentaires en notant tous les temples et aussi en notant la globalité du mode, si vous l'avez surkiffé ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche, c'est vraiment ultra important s'il vous plaît, déjà pour soutenir ma chaîne, déjà aussi pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortent. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore mis de commentaires ou de pouces bleus, et ben faites-le. Et moi sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.